Quand je pense qu'il y avait du sanglier pour dîner. Astérix, donne-moi ce récipient plein d'eau. Que prépares-tu là, Panoramix? De l'antidote. Fort heureusement, je me sépare jamais de ce petit sachet. Buvez. C'est quoi un antidote? Ouvre la porte du cachot, Obélix. Écartez-vous, on sort! Ils sont fous, ces Égyptiens. On leur dit de s'écarter. Et maintenant, allons voir Cléopâtre. Pas mal, mais j'en ai assez de me voir de profil. Tu ne pourrais pas me faire une fois deux trois quarts face? Ah bah moi, l'art moderne, hein, vous savez. Gaulois, puisque vous avez juré ma perte, je vais vous montrer par Osiris comment meurt une reine. Mais non, Partotatis, écoutez ce que nous avons à dire pour une fois. Je suis sûr que le gâteau n'est pas empoisonné. Je crois même qu'il est très bon. Ah oui, eh bien, mangez-le alors. Qu'on apporte le gâteau. C'est ce que nous allons vous proposer. Oh, reine, Obélix, as-tu un couteau ou une pelle à tarte? Il y en a là. Vous permettez? Coupe trois parts de ce gâteau. Voilà, voilà. On t'a dit trois parts, Obélix. Eh bien, je coupe trois parts. Gros gourmand, va. Il y a des amandes. C'est bon, les amandes. Eh bien, reine, voyez bien qu'il n'est pas empoisonné, ce gâteau. Mais mon goûteur, alors, de quoi souffre-t-il? Obélix. Mais il reste encore quelques amandes. Que l'on fasse cunir le goûteur, je le guérirai. Chaque fois que je veux faire quelque chose, Monsieur Astérix est contre! Parce que Monsieur Obélix ne sait pas se conduire devant une reine!